parlé, écrit, télévisé, médias en ligne, qui répondent présents dans la conférence pour la presse. Parti sociopolitique Vive Haïti a fait la première conférence de presse pour l'année 2022. Mais ça va empêcher nous faire un petit bilan tout court de l'année 2021. La question de la sécurité pays. Pendant l'année 2021, il y a à peu près 1002 personnes qui ont été kidnappées. Il y a 81 étrangers là-dedans. Mais ça va empêcher la police à pariser, pas de gens qui ont été dans le cas de la police. Il y a près de 467 personnes qui ont mouru par balle en 2021. Alors que en 2020, il y a 297 personnes qui mourent par balle. Ça veut dire augmentation vient faire près de 150%. Et pour l'année 2022, on dit le 31 décembre, privé jeudi, il va être recensé toujours près de 35 personnes qui mourent par balle, sans compter les personnes qui ont kidnappé. Donc, il y a une année qui était extrêmement difficile pour les Haïtiens. Mais par contre, l'année 2022, il paraît plus difficile et il paraît la plus machiavélique tout pour les Haïtiens. Ils appellent nous exhorter le peuple pour prendre pile précaution, pour ne pas marcher sans besoin et pour ne pas lancer des zones qu'il va devoir aller. Mais par contre, derrière ça, Vive Haïti est capable de parler tout de ce qui est arrivé le 1er janvier dans Gonaïves. Information que nous joignons Vive Haïti. Avant même PM Ariel Henry qui est allé au Naïve, cité indépendance, il était déjà envoyé près de 10 millions de gouttes par les gens qui ont des âmes dans la main. Mais ça va t'empêcher tout. Eh bien, il était envoyé pour aller pour construire stand. Mais par contre, les territoires de Naïve, tout le monde devait une deuxième fois Ariel pété couru. Ça veut dire, 7 octobre 2021, il était couru, eh bien, fond rouge. Malgré le dévoué près de 20 millions de gouttes à Valois, il était près de 15 millions de gouttes pour le débat, mais ça va t'empêcher de faire courir à tout directeur général de la police. Mais dans le cas qui passe Gonaïves, il paraît plus grave. Le directeur général de la police a pété courir, les hauts gradés de la police a pété courir, ministre intérieur, chef CSPN a pété courir, et par contre, la police va même arriver et bien bloquer ça qui passe. Mais derrière toute l'histoire, ça, nous allons joindre le commissaire gouvernement Gonaïves. Il dit qu'il mettait le mandat d'amener derrière les Gonaïves. Mais pour la Vive Haïti, il demandait au commissaire gouvernement ça. Est-ce qu'il mettait le mandat d'amener des gens qui décaissent ses corps pour voir Gonaïves? Nous voulons parler de PM Ariel Henry. Est-ce que tout? Eh bien, il mettait le mandat d'amener des gens qui portaient les corps là. Donc pour nous-mêmes, ça n'est fait là, son bagage qui n'est pas normal. Alors que même Ariel ça. Eh bien, en pile, moun te dit, te même déconseillé le par les Gonaïves. Donc, quel te moun qui prend balle, quel te policier qui mourit, quel te officiel qui pète courir, tension moun qui manque tout yo. Donc, Ariel Henry, c'est seulement responsable, c'est seul moun qui responsable pour bagay ça. Parce que, en pile, quoi que tu es dans la société, vous te dit, monsieur, parler dans Gonaïves. En même temps, tout, nous, New York Times, prend gros responsabilité dans la question enquête, la mort Jovenel Moïse. Et Vive Haïti vient dit que gagné un président qui était John Fitzgerald Kennedy qui était mort et monsieur était président américain. Par contre, après la mort monsieur, nous te connais CIA a mené enquête. Nous te connais FBI a mené enquête. Même pas de gens jouent aucun média dans l'autre pays t'a relaté tout ça qu'a dit dans enquête là. Alors que façon nous FBI rentré dans enquête ça, il rentré à cheval comme quoi que son monde qui vient gailler ou non. Le Vive Haïti était déjà porté plainte pour Ariel Henry, même si un pile monde dans la société a tiré pied contre nous, bon bagaille pas de comprendre. Là nous même nous répète, c'est juste nous devons montrer le peuple là, montrer le monde. Ce n'est pas journaliste que nous y est. Nous avons seulement besoin de montrer le monde que c'est même partisan Jovenel encore qui touille Jovenel. Deuxièmement, nous te portons plainte eh bien, pour le directeur général de la police, parce qu'il t'a parlé avec défunt Jovenel avant. Il vient assassiner, mais ça va t'empêcher, monsieur, de camper dans le camp pour ne pas venir sauver Jovenel. Donc, il a quitté Jovenel. Je veux dire, nous très mal comprendre. Le New York Times, après aller 4 nouveaux directeurs généraux de la police, et puis les 4 Léon Charles. Ça veut dire qui ça? C'est comme quoi que c'est monsieur qui a gagné dans les âmes. Alors que nous t'étendons sa parole, nous t'étendons dit, les négociations des âmes, comme si ces âmes la police de vous avez cru. Et quoi, tout le matériel négocié là. Et quoi, tout le bagage négocié là, vous avez fait. Donc, nous venons du New York Times. Si c'est comme ça, là, fait une enquête
téléguidé sans avec force côté ou bien une enquête qui gon moun en Haïti ou bien un cadre qui a téléguidé nous dit font camper parce que ça l'a fait là lui puisse entraver enquête là que enquête ça côté résultat. Donc pour la conférence ça matin là de Haïti vinn bay pour dénoncer un ensemble de corruption qu'a fait dans le pays. À noter que des sénateurs qui là sénateur ça va jouer un rôle comme on dit a supposé contrôler l'exécutif et jouer un rôle yo bail et bien enquête yo a yon allure pour la population connaît qui est captivé. Viva Haïti a pris un rôle ça parce que nous va y parlement. Dans enquête Viva Haïti mené nous venons joindre que il y a une série de faux films qui montaient pour décaisser une série de contrats tête en bas. Ça veut dire sous faux nom, mais sous l'autre nom, ça veut dire les prêts noms. Eh bien, il va être venu joindre. Contrat pour acheter caoutchouc pour la police. Et après, il a fini acheter caoutchouc. SDP, c'est lui-même qui joue un contrat pour acheter caoutchouc pour la police. Ce sont une série de faux films. Bon, je dis faux films, c'est une série de films qui paguent non sous lit. Et là, film, dès que c'est comme ça, il y a même un problème pour aller acheter caoutchouc dans mon lot particulier. Ça veut dire qui ça? Ariel avec équipe ça a fait ça a eu corruption. Ça veut dire qu'on va pas besoin de caoutchouc SDP. On machine au garde de la police en besoin de caoutchouc SDP. Et comme la parole SDP direct, et on même y a pris comme ça pour y aller car un concessionnaire pour y aller prendre caoutchouc et puis comme il y a eu dans le poche. Ça c'est une. Deuxièmement, même dirigeant SDP ça a eu, fait des cabesses parce que il y a eu l'autre contrat encore, quel était sous-commissariat. Quel était commissariat police, et bien c'est Nex Ayo qui est responsable pour bailler manger. Donc nous venons demander LB. Ou venez tête la police, c'est pour quoi ils sont venus? Ou venez tête la police, c'est pour enrichir un petit groupe pour venir? Ou venez tête la police, c'est pour encourager la mafia ou venir? Donc nous ne venons pas comprendre. Comment, comme si pour la police, on a besoin de caoutchouc, c'est nommé SDP pour le prendre. Comment c'est SDP joué comme si appel d'offre, c'est lui pour bailler sous commissariat et commissariat manger? Comme si nous ne venons pas comprendre. Je ne comprends pas. Alors, si vous avez choisi, sous base de tout, c'est qui paraît plus clean, plus propre. Mais je veux dire, nous comme si vous traîné dans la rue. Donc, Viva Haïti vient étaler ça. Et très bientôt, nous allons venir avec nous prêter pour nous mettre sous papier ça. Parce que je veux dire, le pays n'a pas dirigé à raqueter, mafia, voler. Mesdames, je cherche encore. Et si je parle de vous, permettez-moi de féliciter tous les militants qui prennent responsabilité pour demander du travail. Parce que c'est sous deuil, c'est sous travail qu'on a fait. Je veux dire, tout le monde a joué. Et nous venons dire, continuez à prendre responsabilité. Depuis que vous avez fait c'est pour vous, bon bagaille. Parce que c'est nous qui avons campé derrière la barricade. C'est nous qui avons fait derrière manifestation. C'est nous qui avons fait tout le mouvement. Je dis, là, on ne peut pas avoir la majorité dans la rue. Mais Viva Haïti vient de la conférence de presse pour nous dire, je dis, l'agent de l'État n'a pas payé hôtel pour dirigeants SDP habiter, pour faire bureau. Alors que le peuple a un grand coup, dans la misère, dans le chômage, il a la vie chère, dans l'insécurité. Je dis, moi, je n'ai pas dit Ariel Adelente, on est oublié. Eh bien, fin mandat Ariel là, c'est 7 février 2022 à la pied. Donc, je ne comprends pas comme si vous n'avez pas dit Ariel, mais des conseils électoraux pour le pays. Qui bon? Qui l'est? Je ne n'ai pas dit Ariel, bah, sécurité pour l'élection. Qui bon élection qui a fait dans le pays là? Bon, bon, petit exemple. Qui est-ce qui a fait campagne? Quoi de bouquet? Qui j'ai un candidat pour aller passer, Matissan pour aller dans le grand sud-pays. Qui j'ai un candidat tout pour aller entrer la caméra sous Belin pour lui faire campagne. Donc, je ne comprends pas. Comprendre. Moi, je suis de net. Parce que je suis un ministre intérieur. Quand je dis que c'est près de 3 à 4 millions de gouttes pour lui chaque semaine, comme quoi qu'elle dit tant que quoi l'élection. Ça veut dire, il a besoin de pouvoir à tout prix. Mais je voulais rappeler avec ça. Le bon président Terrelé, l'esprit Saint-Roch, François Maniga, il est dans l'élection sous 100 peuples. Et il finit dans la poubelle l'histoire. Je dis à Mindy, il n'y a pas aucune condition qui réunit là pour l'élection faite dans le pays. Et nous venons rappeler Ariel. Mais Ariel, tout le monde a une légitimité. Non, Ariel paraît dans la première liste de monde qui a assassiné Jovenel. Quand on a demandé, ils ont présumé assassin pour mettre le conseil électoral comme pour moi. Qui conseil électoral va mettre comme pour moi là? On va demander, ils ont présumé assassin pour faire l'élection. Élection qui est-ce? Il va le faire là. Élection qui est-ce? Pour qui peuple? Pour qui pays? On va demander, un monde. Tout le bagage qui a dit la net, non, non, moi je viens de nous Ariel la donne. Et puis je dis Ariel était dans notre pays à toujours. Je dis à c'est comme quoi que nous venons perdu. Et ça fait nous venons demander peuple haïtien. Énergie ou te gaspiller ou pas dépenser encore.
serré yo parce qu'à partir du 7 février, il faut déchouquer malandré ça dans notre pays. Et vous êtes d'accord, des petits groupes, nous avons eu dans notre pays. Grand coup, peuple a augmenté, misère a augmenté, la vie chère a augmenté, insécurité a augmenté, même kidnapping a augmenté. Donc, vous voulez être dans notre pays pour faire qui ça? Donc, nous venons d'accord que nous pas qu'à quitter la mafia dirigée nous encore. Et ça fait, tout le monde qui sent la bataille que vous avez ici à mener, vous retrouvez la donne, nous demandons pour rejoindre nous. Parce que chaque ça n'a pas été là, il pas nous pas qu'à voter pour nous. Nous allons finir pour me dire avec des tracteurs ou bien monde qui fait nous menacer. Nous ne pouvons pas faire ça. Parce que vous avez un engagement là, nous faisons prison déjà. J'ai une pété déjà. Vous bon bagage, nous perdons déjà. Mais quant à Haïti, où nous besoin Haïti faire? Où de changement, où de progrès, où de démocratie, où de justice là, faut payer nous faire. À bon entendre ça. La société haïtienne, non, qui chaque jour nous prend la rue. Et que c'est à chaque jour tout, et d'ailleurs, pas être plus difficile et pour nous dans la rue. Qui même gens avec nous tous les trois qui sont pas là, qui sont des journalistes, qui font même métier ensemble avec nous. L'un de gardés en 2021, et qui était au goût amer et dans la bouche nous, avec la mort inexplicable de Gédéon, photojournaliste, et nous connaissons Jean-Luc Mourian jusqu'à présent, par exemple, dans nous qui a expliqué la façon dont il mourit, son bagage qui est extrêmement drôle. Et l'année 2021, il paraît avec, c'est comme si nous avons dit, nous avons additionné nous-mêmes comme journalistes, nous avons considéré que nous perdons deux autorités garçons, deux jeunes journalistes très voyants, et deux journalistes qui étaient engagés pour nous permettre à ce que la population soit informée de tous côtés qui ont information. N'importe forme d'information qui est en rotation. Aujourd'hui, là, nous venons parler et nous venons adresser nous avec Patron Média en ligne. Nous constatons bien souvent et fort souvent à travers Média en ligne qu'on pile nègre qui décide de chita des ordinateurs, on en frise, on pile nègre avec fille. Mais on ne pas connaître qui ça. Journalistes qui ont subi en Haïti. Bien des nègres, il faut souvent c'est eux-mêmes qui ont exigé des eux-mêmes, jeunes et messieurs d'Amio, mais côté pour aller puis faire information. Et nous-mêmes qui avons information, tout qui des nègres qui ont agence en ligne, qui ont forcé journalistes à prendre des images que journalistes ne même les prendre, qui vont compromettre la vie des gens. Dans les journalistes, messieurs et dames qui ont mis en ligne, le mort qu'on fait nous tire en pile de son âme. Et c'est malheureux, c'est à travers la monnaie que nous allons tirer le mort. Nous allons tirer et pour nous jouer, pour nous porter solution, pour nous tirer des exemples. C'est qui ça? Nous allons comprendre dans la mort, Wilkins, après 3 jours, même nous appel. Moun Wilkins a travaillé pour lui, qui est Snell Doléan, pas de jambes passées avec famille. Et Snell Doléan a même fait connaître que Wilkins n'a pas dit c'est d'accord. Et nous félicitons, on est pour Atis Franky, PDG Radio Écoute FM de Montréal, qui non seulement depuis une nouvelle en tête, jusqu'à ce qu'elle déjeune cadavre, il était apporté solidarité. Et il témoignait toute solidarité envers. Famille John Wesley a dit et que nous capables de féliciter monsieur. Nous exigeons à ce que monsieur qui gagne, monsieur dame qui gagne, monsieur dame qui gagne, faut que nos parents, monde qui travaille ensemble avec eux. Il faut qu'on harmonie. Ça veut dire que ce n'est pas un monde justement, ouais, comme un monde à distance, il parle avec eux, il y a une relation de téléphone. Nous exigeons que les gens, n'est pas travaillé dans les médias en ligne, au moins faut que nos parents, qui connaît moun qui travaille, qui embauche, parce que qui engage pour tout le monde. Parce que les journalistes qui n'ont pas été en ligne, pour dire ça, c'est des moun qui à l'école. C'est parce que c'est des presse traditionnelle un petit peu fermé qui fait nous gagner toutes les jeunes dans les médias en ligne. Nous faisons exigence encore, nous disons pour ça que, faut que c'est vrai moun qui étudie.
journalistes qui prennent dans les médias en ligne. On a parlé de tout ça bien souvent dans ces mails. Faut que c'est le monde qui fait qui subit. On est un journaliste. Non, on pas journaliste qui travaille dans les médias en ligne. Parce que on a constaté bien souvent, c'est comme si moi, je voulais prendre n'importe qui pour mettre le travail dans la rue comme journaliste. À travers moi, monsieur, on a porté un démenti formel. C'est comme si nous, on est un côté réalité lisse, qui lui-même son journaliste veut cracher sur le cadavre, monsieur. Nous, on réalité lisse à travers des posts la presse sur Facebook. C'est comme si le grand monsieur, c'est des soldats, c'est des gens qui t'a compté à l'acheter des munitions, ou sinon à compter des munitions à lui. Je dis que Riel, Amadi, son aigle, nous avons plus l'expérience avec elle, nous avons plus l'histoire avec elle. Amadi, pas ni de loin ni de près, en rien pour nous avec d'autres dans le pays d'Haïti. Amadi, son aigle qui travaille comme journaliste. Amadi, pour passer en dans la presse haïtienne. Amadi, son aigle qui travaille dans Megastar qui fait presque 7 à 8 ans dans Megastar. Amadi, son aigle qui décide études dans le snack. Amadi pas en gang. Nous ne pouvons pas accepter ça pour personne monde. Rester derrière l'ordinateur pour mettre dans la tête ou cracher sur le cadavre. William Sonnel qui passait presque 3 à 4 médias en ligne dans le travail déjà. Avant on est campé derrière l'ordinateur, on a dit, nous avons des affaires, nous avons des travail, pour vivre les gens qui passent pour des gens qui sont dans l'association malfaiteur, derrière nous démentons. Pourquoi ça laisse les gens entrer en Haïti ou pas? Il a fait une interview dans le quartier chaud, côté de l'air, chef de file qui a dirigé son salon, ou pas de problème avec ça? Pourquoi ça laisse France 24 entrées ou vient faire reportage ou pas de problème avec ça? Pourquoi ça laisse M6 entrer ou vient faire documentaire ou pas de problème avec ça? Les agences entrées ou vient faire documentaire ou pas de problème avec ça? Ou pas pour nous? On se dit pas que c'est journaliste haïtien. C'est eux qui ont problème, c'est avec eux qui ont lié eux comme temps. Eh bien, nous démentons de rien. Faire travail, ou, si c'est eux qui vont faire travail, non, faire bien. Mais pas décider tout bonnement pour cracher sur le cadavre ici. Et puis, comme dimanche, je vais annoncer ça, après le journée. Et nous avons un cabinet, nous, et plusieurs cabinets qui mettent ensemble. Par exemple, cabinet Mme Nel Rémy, Mme Bellevue, et ensemble avec BAI, Bureau Avocat International. Qui prennent déposer aux plaintes au niveau du cabinet d'instruction concernant le dossier assassinat jeune journaliste qui c'est Amadi John Wesley, ensemble avec William Smith. Et nous remercions nous et pensons tout ça et le comité semaine l'entrée pour nous. Et dans la conférence de presse, monsieur, merci. Que SINEL, c'est le collectif des médias en ligne, dans le souci pour nous capables de dénoncer ce qui est passé jeudi et dernier, pour nous avoir deux confrères journalistes qui sont morts dans la zone de FESA au niveau de la boule 12. Et gagner une de nos confrères qui est sauvé de justesse. Eh bien, nous disons chaque grain de nos confrères qui fait déplacement, un grand merci. Et il faut dire, et je dis à la presse qui est en deuil, eh bien, c'est parce que il y a un groupe d'individus armés qui ont tiré deux et confirmé. Eh bien, l'objectif de la conférence pour la presse, c'est pour nous être capables de dénoncer ce qui s'est passé. Nous connaissons, je dis, qui se passe là, il y a trois journalistes qui prennent la décision pour faire un reportage au niveau de et fait ça, zone et la boule 12. Eh bien, les journalistes ont été branchés pour être capables de vivre dans zone ça. Eh bien, automatiquement, ils ont été arrivés dans la galette, ils fait ça. Il y a un groupe armé qui ouvre feu sur les journalistes. Et bien, ça qui vient de rendre que les journalistes ont été atteints par balle. Amadi John Wesley et Wilgen Zalwissin, eux-mêmes qui ont pris cartouche dans zone ça. À part de ça, ils ont été Will Willman qui sauvait des justesses dans l'attentat sacrifié.
Et nous pensons aujourd'hui, nous-mêmes en tant que journalistes donc, au niveau de CIMEL, nous prenons responsabilité nous pour nous dire non, Jacques Salon ne doit pas nous répéter dans le pays, hein, parce que les journalistes ont le devoir pour faire travail comme ça doit. Aucun monde n'a pas qu'à empêcher les journalistes nous-mêmes d'aller dans quelque chose dans le pour être capables à chercher information, dans souci pour informer. Et la population haïtienne qui peut être notre jour, les lecteurs à travers les médias et la presse écrite, qui peut être les auditeurs, les téléspectateurs, et eux-mêmes qui est vraiment le coup de voir pour faire ça. Bon, je dis, nous disons ça pas qu'à l'été comme ça. Et Jacques Sayo, faut que les gens qui font loi soient punis. Il faut que les gens qui prennent responsabilité. Au niveau des CIMEL, nous avons des dispositions que nous déjà prenons dans ce souci pour nous capables d'accompagner les parents victimes. Par exemple, déjà nous connaissons entièrement John Wesley Amadi, lui-même l'a fait au niveau de la ville des Cayes. Et déjà des dispositions qui prennent, nous déjà des planifications que nous faisons avec les parents. Côté que funérailles et John Wesley Amadi, lui-même l'a fait samedi 15 janvier 2021. Et côté nous-mêmes, nous déjà préparé, et ensemble de journalistes, mais organisation lui-même, lui déjà préparé dans ce souci pour nous capables à rendre Amadi un dernier hommage. Il y a des activités que nous prévoyons faire. Par exemple, et jeudi, Kabini là, au niveau de la salle Christophe, en zone Kiosla, nous avons un hommage l'a fait pour ce que nous connaissons. L'espace de chanmas, les journalistes eux-mêmes, qui ont toujours reposé là, les ressources de travail. C'est-à-dire, John Wesley Amadi, avec Will Gaines, nous avons un dernier hommage que nous avons fait pour eux. À part de ça, en ce qui a fait avec Will Gaines, et parents ont une grosse difficulté pour être capables de vivre, faire funérailles. Mais nous-mêmes, en tant que journalistes, nous déjà prenons responsabilité, nous consulter un peu le monde pour nous voir comment nous sommes capables d'aider les parents nous-mêmes de réaliser le funérail, puisque nous pouvons fixer une date, parce que nous n'avons pas de bon moyen, ces parents sont très vulnérables, et bien nous décidons d'accompagner eux. D'abord, nous décidons de parler avec le secrétaire général de la GH, Jacques Desrosiers, lui-même qui déjà répond favorablement pour regarder comment nous sommes capables d'organiser le funérail et Wilgens. À part de ça, il y a un peu l'autre activité de la PCF. Nous sommes pour nous accompagner, parents, pour nous accompagner tout le monde qui est victime. En ce qui a trait avec Ville Wilman. Ville Wilman, je veux dire, nous sommes capables de dire que c'est un monde qui a subi un peu de menace. Et tout côté, et dans le moment ça, c'est un monde qui n'a pas d'espace qui est capable de fonctionner. Vrai. Il n'a pas qu'à arrêter la caille parce qu'au jour le jour, il y a et menace qu'a fait, il y a des gens qui ont fait visite dans la caille, il y a des appels anonymes qu'il a recevoir. Et bien, je dis, les journalistes sont en très grande difficulté, et c'est peut-être ça. Nous-mêmes, en tant que journalistes, nous décidons pour nous capables d'accompagner et d'aider des démarches qu'on a fait dans ce souci pour que lui-même soit capable et vivre tranquillement. Mais il faut me dire, vraiment, la situation ville est extrêmement vulnérable. Nous avons demandé avec autorité concernée pour être capable de prendre responsabilité à l'égard de Ville Wilman, puisque déjà nous avons constaté la chose en pile menace, en pile persécution par rapport, puisque c'est lui-même qui est vraiment vrai témoin, c'est lui-même qui porte des messages là qui nous que nous connaissons, monsieur avec Zamza au niveau de FISA, et nous touillé John Wesley Amadi avec Wilkins. Et pour ce jour, la police a pour devoir pour prendre responsabilité à l'égard de Ville Wilman. À part de ça, tout, nous avons demandé avec le gouvernement, si le ministre de la communication, il pour devoir pour être capable de garder, de toute façon, capable d'accompagner les journalistes dans ce souci pour que monsieur ne parte de la ville. Et Fonzi, nous connaissons gagner puissant dans le pays. Et surtout, monsieur, ça va opérer dans une zone de la c'est une série de grands dons, une série de monde qui ont en pile et capacité pour être capable de détruire le monde, et bien demander avec autorité et autorité paysanne pour être capable de prendre responsabilité dans souci pour être capable d'aider Ville Wilman ou bien pour aider nous protéger Ville Wilman pour ne pas arriver à exécuter. Bon, c'est tout ça. Et nous devons dire, nous pouvons passer le coordonnateur ce là Renal Petit Frère lui-même qui va passer nos pas. Amen.
nous.